Alors, Marie-Saint-Pierre, créateur de mode. Principalement, mon sujet, c'est la femme. Ça me permet de communiquer c'est quoi notre image, c'est quoi notre rôle. Le vêtement devient un outil de communication. Alors, moi, je suis de l'école des années fin 70-80, donc toute l'influence de la mode japonaise. Donc, vraiment un bouleversement au niveau des codes vestimentaires. C'est ça mon point de départ. Ensuite, évidemment, toute la haute couture, dont Dior, évidemment, Yves Saint Laurent, les Chanel, mais avec le pendant japonais. Donc, c'est un peu un hybride des deux. En fait, pour me payer le luxe de travailler dans mon domaine, qui était la mode, de faire de la création de mode, j'ai dû apprendre au fil du temps à devenir aussi une femme d'affaires pour pouvoir continuer à faire ce que j'aimais et à réaliser finalement mon rêve de construire une maison de couture avec tout ce qui s'y rattache. Donc, tout est fait localement, mais le côté fabrication est fait à l'extérieur de nos studios. On n'a pas d'usine comme telle pour fabriquer nos vêtements. Donc. Ben, en fait, je dirais que j'ai une très, très belle clientèle. J'habille des femmes, celles que je connais, même celles que je connais moins, mais des femmes qui sont assez éduquées, qui sont assez stylées aussi, qui ont des personnalités assez fortes. Qui aime le côté polyvalent de mes vêtements, donc qu'on peut porter sur plusieurs saisons. Cette idée d'avoir quelque chose qui n'est pas sur une tendance mode, mais qui est plutôt une expression de soi ou de sa personnalité. J'aime l'aspect graphique, j'aime le mouvement. Le mouvement est intrinsèque à tous mes vêtements. Et j'essaie de toujours mettre ces deux composantes-là en interaction dans mes vêtements. Un beau vêtement, c'est un vêtement qui est porté aussi. C'est pas juste un vêtement qui est dans les musées ou qui est sur les podiums. Un beau vêtement, c'est quelque chose qui a une vraie réalité où on le porte, on aime. Il y a quelqu'un qui va avoir plaisir à le mettre. C'est pas juste quelque chose de beau sur un cintre.